Bon, nickel. Donc, je te pose des questions, je ne réagis pas, et puis on débriefe après. Pareil, bon, on va essayer. Ça marche. T'es né quand et tu vivais où? Je suis né le 2 août 97 et je vivais à Mauléon, Mauléon-Ville. Ils font quoi tes parents? Mon père est ingénieur commercial et ma mère est professeure d'éco-droit. T'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai un frère et une sœur. J'ai un frère Nicolas de 93 et une sœur Éléonore de 96. Tu voulais faire quoi quand t'étais petit? Quand j'étais petit, au début, j'étais plutôt dans l'art, donc musique, théâtre, on va dire. Et puis après, comme pas mal de jeunes, footballeur professionnel. T'étais quel genre d'élève? J'étais souvent dans la lune, on va dire un peu nonchalant, mais ça s'est toujours bien passé et j'aimais bien faire rire les copains. Tu faisais quoi le week-end à 16 ans? À 16 ans, j'étais pas mal. Enfin, le vendredi soir, on avait entraînement de foot, et puis le samedi, on avait foot, donc c'était surtout foot, hein, avec les copains. Ton meilleur souvenir dans le Mauléonais? Ouais, ça me tilte plutôt direct. On était pas mal animé par le mouvement, on va dire, des supporters, le mouvement ultra en France, on va dire, et du coup, on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire ça avec les copains à Mauléon. Pour notre petite ville, dans un club de district, on savait que c'était, voilà, sans se prendre la tête et pour s'amuser. Et puis, on a passé pas mal de week-ends à craquer les fumigènes, faire des tifos, etc. Et ça, c'était génial. De quoi tu vas nous parler? Je vais vous parler de mes deux projets actuels. Donc, la marque de bière Starmust, donc, que j'ai créé, enfin que j'ai repris, pardon, avec mes deux compères Paul Cochard et Florentin Boudoir. Et également du bar à bière qu'on est en train de monter, donc à Mauléon, qui va faire également cave, vin, spiritueux, et avec plus de 400 mètres carrés, donc avec un espace jeu, un rétroprojecteur pour faire des matchs, un podium pour faire des concerts, donc ça devrait être pas mal. Et ça ouvrira normalement début janvier. Comment est née cette idée? On a pas mal été dans les associations de Mauléon, donc surtout avec Flamme, et on s'était dit tous les trois, pourquoi pas monter quelque chose ensemble, faire quelque chose ensemble. Donc, un vendredi soir, soirée, on a brainstormé, on va dire. On a eu plein d'idées, on s'est dit, tiens, faire une petite association de dégustation de bière. Et de là est venu Starmust, où ceux qui avaient Starmust proposaient de reprendre la marque. Et ensuite, avec cette marque de bière, on a démarché pas mal de bars, dont la Minute Blonde de Thouars, qui nous ont proposé de nous accompagner pour ouvrir le bar. Donc, tout était un enchaînement et tout se passe très bien. Et maintenant, ça en est où? Ça en est où? Pour la bière, on a une deuxième bière qui va sortir normalement mi-décembre, donc dans pas très longtemps. Une bière rouge, là, qu'on appelait la Red Star. Ta musique du moment, c'est quoi? Ma musique du moment, on va parler de mon artiste préféré, mon idole, on va dire, de toujours, Fatal Bazooka. Je pense à ce matin avec une pure soirée, pardon, par exemple. Ça représente bien le personnage, on va dire. Quelque chose à dire aux jeunes du coin? Qu'il faut faire des choses. On n'a pas forcément énormément de possibilités à Mauléon, donc quand on a une bonne équipe, on va dire, et des idées, faut y aller, faut y croire, et puis. Bon, après, comment ça marche, hein, tout roule. Une personne intéressante qu'on doit absolument aller rencontrer. Je vois dans le coin de mon écran le site Starmus, donc on l'a fait, tiens, avec Henri Séché, c'est lui qui nous a fait le site, qui nous a accompagné pour ça, donc il vient de lancer sa freelance, ça lui fera un petit coup de boost à Henri Séché.